Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons continuer notre album Alice de Alchemy of Art pour la boutique Magique Loisirs. On arrive au bloc numéro 3 et à la page numéro 5. Donc ici, on a également pas mal de choses à coller dans un certain ordre pour ne pas se tromper dans la pochette là surtout. On va commencer par coller un rabat en haut et un rabat en bas. Ce sont les mêmes. Il faudra les coller en premier pour pouvoir coller la pochette à l'intérieur après. Alors, pour les dimensions. Donc, 13 cm sur 20,6. Du côté 13, on va plier à 10,5 et à 11, et ça, on le fait deux fois. C'est une page que j'ai coupée, une page 20-20 que j'ai coupée en plein milieu. Voilà pourquoi c'est 10,5, puisque on a 20,3. Mais vous allez voir que je suis quand même arrivée à faire des espaces photos. Alors, donc ici, on va en coller un en haut et un en bas de notre bloc. Dessus, bien entendu, puisqu'on travaille sur la partie fixe, j'allais dire, où on n'a pas la possibilité de l'enfiler dedans. Donc là, on le colle en bas. Le premier, voilà. On n'oublie pas le petit coup de plioir, toujours pour bien coller, et on reforme bien notre gousset. Et on fait pareil avec celui du haut. Comme ça, on va pouvoir coller notre pochette à l'intérieur par-dessus nos languettes de collage. Là, et on refait bien le gousset. Voilà. On a donc une partie qui va s'ouvrir en haut. Voilà. Et une partie en bas. Alors, ici en bas, sur le côté droit, comme ceci, directement sur le bloc, on va faire une petite pochette comme on a déjà fait précédemment, un petit peu en biais comme ceci. Donc là, elle fait 16 cm sur 12. Et sur le côté 16, on va plier à 2 et à 14 pour obtenir nos 12. Et ici, sur le côté gauche, on va faire un petit repère à 4 cm. Et vous allez faire une diagonale ici, quand on va couper le surplus. Ça va nous faire une petite pochette biaisée, en fait, hein. Donc, ici, côté gauche, on fait 4 cm. On fait un petit repère. On trace la diagonale ici de 12 cm et on coupe. Et ça, c'est une pochette. Donc, on met notre petit scotch rouge de 6 000 mètres, mais on va la coller que d'un côté. Vous allez la coller qu'ici parce qu'il faudra coller notre papier pour coller le reste. Donc on n'enlève que la grande partie de 12 cm et on la colle sur le côté gauche de notre bloc au bord. Comme ceci. Voilà, on ne colle pas le reste. Là, on va coller notre papier. À l'endroit, si possible. Voilà, on va coller ce papier-là. Donc, le lapin et Alice, ici, au fond. Et après, on va pouvoir coller notre pochette. Allez, on colle notre papier. À sa place. Voilà. Et on va mettre notre carte. Je vais vous montrer. La carte, elle sera un petit peu en biais pour justement profiter des deux images qu'il y a sur le papier. Pour pas cacher les images. C'est pour ça que j'ai fait la pochette dans ce sens.
Allez, maintenant, on peut coller notre petite pochette complètement. Voilà. Et notre carte de 16-11, comme ceci, elle sera comme ça. C'est pour ça que j'ai collé là aussi, hein. Pour laisser apercevoir encore les deux petites images de la page du fond. Alors ensuite, on a les deux rabats extérieurs qui vont fermer notre page. Donc celui de droite, il fait 14 cm sur 20,3 et sur le 14, on plie à 11 et à 12 pour avoir un gousset d'un centimètre. Donc celle-ci, on la glisse à l'intérieur du bloc du côté droit. Comme ceci, ça fait la même hauteur que notre page. Donc, on n'a pas à calculer le milieu. Hein. On la colle tout le long. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, hein, j'ai mon aimant qui est parti. Donc, 19 cm sur 20,6. Et sur le côté 19, on plie à 16 et à 17. On a également 1 cm ici. Et ça, on va le coller à l'intérieur de notre bloc du côté gauche. Et ce sera notre page de fermeture de bloc. Hop. Attention, chaque fois qu'on voit bien la pliure, pour que nos petits goussets fassent bien leur boulot. Alors, on ferme là, et on ferme là. Et on a notre page reconstituée. On va mettre nos aimants. Alors, un petit bout de scotch, un autre petit bout de scotch. On met nos aimants en place. On remet bien tout correctement pour que nos goussets soient bien verticaux. Les pages bien en face. Et on a collé les deux aimants en face. Et voilà notre page terminée de monter. Alors, pour les papiers. Pour les papiers, ici j'ai ma petite pochette. Donc avec une chute de papier, je me suis servi pour faire ma carte. Et j'oublie pas de toujours mettre un petit bout comme ça pour rappeler. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai fait comme ça. Il me manque quoi? Ça, c'est pour le dessus, pour l'intérieur. Ah ben oui, je suis bête. Donc ici, ce que j'ai fait, ça c'est dessus, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit, puisque là, je n'ai que 10,5 au lieu de 11. Et normalement, ça fait 10,7. Donc, je les ai réduits un tout petit peu. Mais vous savez que vous avez quand même la possibilité de mettre la photo 10-15. Elle y va quand même. Hein. Donc, j'ai un tout petit peu réduit, puisque normalement, je coupe mes espaces photo à 10,7 de hauteur, hein, ici. Et bien là, je les ai coupés, puisque là, j'ai 10,5. J'ai fait du 10,3. Donc, on a encore 10 pour mettre nos photos. Donc, ici, on colle un espace photo ici. Comme ceci, avec évidemment une petite chute de papier à côté. Ça, on en a toujours pour compléter nos petits espaces. Ici. Et on fait pareil en bas. Donc, l'espace photo, la petite chute.
Alors, évidemment, quelquefois, on a l'impression qu'on a réduit un peu trop. Mais ne vous inquiétez pas, les photos, elles rentrent quand même. On a un bord un petit peu plus, un matage un petit peu plus court, mais la photo rentre quand même. Qu'il ne faut pas oublier que c'est important d'avoir les espaces photos nécessaires. Alors ici, on va coller notre petite pochette là. Donc j'ai pris ce papier là parce que je m'en suis servi, vous allez voir, un peu partout. Il m'en restait un bout pour cette page là. Donc ça fait assorti au reste. Voilà. Donc ici, c'est cette page là que j'ai coupée en deux pour mettre ici et ici. Et donc j'ai utilisé deux fois la même page en fait. Hein. Elle est là, elle est à l'intérieur. Et sur la carte également. Voilà, donc ça. Et après sur ma carte, il y a le reste de ce que j'ai fait. Avec la pochette. On essaye d'assortir. Enfin, il faut limiter aussi le nombre de papiers différents qu'on met sur chaque page pour que ça fasse pas trop chargé aussi, hein. Surtout quand on a des papiers qui sont chargés comme ça, on limite un petit peu le nombre de papiers différents pour que ce soit pas trop chargé. Et donc de l'autre côté, mes espaces photos toujours pareil. Avec le papier parchemin. Et ça, je le mets comme ceci. Voilà. Alors, on arrive à ces pages-là. Donc, ici, un espace photo. Je favorise beaucoup toujours les espaces photos. Ça économise le papier. Et en même temps, ça délimite bien les espaces photos. Et là, c'est toujours. Hein, depuis, j'utilise le même papier pour mes petites chutes. Là, j'avais une bande. J'en profite. On reste dans les losanges. Dessus. Alors, dessus, le fond après, pour vous expliquer, on va faire ce côté. Alors, ce côté, j'ai mon espace photo comme ceci. Et toujours celle-ci, hein, que j'ai utilisée dans tous mes petites chutes de papier. Mais cette fois, je l'ai mis évidemment avec la partie image. Hein, donc c'est celle où il y a les petits losanges aussi. Comme ça, quand je vais le... Ici, j'aurai juste une petite déco avec un petit mot. Et ce sera parfait. Au lieu de mettre un uni, quand on peut, on met une image. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Pour le dessus, j'ai utilisé celle-ci. Donc ça, c'est du 30-30. J'ai utilisé celle-ci et au lieu de faire mes découpes en plus, j'ai collé mes chutes de mes découpes dessus. Et ça va nous faire un effet inverse, c'est-à-dire comme ceci. On a l'impression en fait que c'est le papier fantasy qui est coupé comme ça. Et ça fait un effet d'ombre en fait sur le papier. Donc moi j'ai beaucoup aimé d'utiliser aussi les chutes de mes découpes. Histoire d'avoir encore ce papier imprimé.
Non, je vais le couler en plein. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Et mieux vous rendre compte de ce que ça donne une fois fermé. Donc ça, c'est une page 30-30. Hein. Là, et l'autre côté. Et on reconstitue un peu l'image finalement, mais avec une petite variante de décoration avec nos papiers imprimés que j'utilise pour faire mes bordures, et bien les chutes en fait. Ce que normalement on jette, moi je le récupère pour le mettre sur ma façade. Et voilà, et je trouve que ça fait un joli effet aussi, dans ce sens-là. Voilà, il me reste à finir de décoller tous mes scotchs là, pour bien finir ma page. Et je vous retrouve quand ça sera terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Alors, que je vous dise deux choses que j'ai rajoutées, parce que je trouvais mon petit morceau ici de chute de papier un peu court. Donc, je me suis ajouté un petit bout ici de la partie imprimée. Et bien sûr, j'ai fait pareil en bas pour faire la même chose. Je le trouvais un peu court, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai rajouté ça. Alors, ensuite, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand je découpe mon papier et que j'obtiens ma vague là, ma petite bordure comme ça, voilà. Quand j'obtiens ma découpe ici de ce côté, j'ai ce genre de chute là, voilà. Et bien ça, au début je le jetais, maintenant je le garde, et c'est comme ça que je le colle ici, et ça fait un effet, justement on a l'impression qu'en fait mon papier est découpé comme ça. Alors, c'est une illusion d'optique, comme on appelle. Et du coup, ça donne un résultat. Et je récupère au moins mon papier imprimé. Parce que là, finalement, une fois que j'ai découpé deux ou trois pages, ben, j'en ai plus. Donc, pour continuer à avoir le style de l'album, je fais ce genre de bordure et ça rajoute un petit peu et ça assortit au reste. Voilà, donc ici, l'espace photo, la déco, l'espace photo, ici, une petite... D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Et donc ici, on a les deux pages qui s'ouvrent en haut et en bas. Et ici, notre petite pochette triangle là, et exprès pour... Alors, c'est pas tout à fait triangle, pour que justement la carte tienne bien. Parce que si j'avais pas mis ça, que je coupe vraiment le triangle, la carte, elle serait tombée comme ça. Donc là, ça la maintient bien en place. Elle ne bouge pas. Et au moins, je vois mes deux petites images ici. Et puis bon, ça fait un style. Hein, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Moi, j'aime bien un peu casser le rythme normal, j'allais dire. Et là, au moins, ça répond bien à mes besoins. Et donc là, on va pouvoir mettre évidemment une photo également. Donc, vous voyez que là, on peut mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 photos encore. Voilà. Donc, l'album, enfin, la page numéro 5 est terminée. On va pouvoir faire le verso. Voilà, mesdames, j'espère que tout ça vous plaît, que vous êtes bien inspirées et que cette collection vous fera de l'œil comme à moi, parce que vraiment, je suis contente de l'avoir scrapée. Elle est, j'adore, vraiment. Jolie, jolies images, très vintage, mais en même temps, un peu, c'est le rêve, c'est la magie des contes de fées. Des comptes pour enfants. Là, il y a un truc qui se décolle aussi, qu'il va falloir que je mette un petit point de colle. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite pour continuer cet album Alice pour la boutique Magique Loisirs. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.